Tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce quatrième podcast. Vous l'aurez vu dans l'introduction, en ce moment je ne suis pas chez moi. On a pris quelques jours avec mon fils et mon mari et on est parti du côté d'Amsterdam. Là je filme du coup dans un petit logement qui se trouve à peu près à une demi-heure et qui est incroyable. Vraiment la, la déco, l'équipement du logement c'est magnifique. Je ne veux plus partir, ou alors avec la moitié de la déco. Là, il y a une table basse. Non, de ce côté, par là. Une table basse euh, magnifique. Il y a cette grande lampe là derrière, les petits fauteuils. Enfin, je veux bien repartir avec tout ça, mais bon, mon mari est pas trop motivé. Là, vous ne le voyez pas, mais je suis installée pareil. C'est une énorme table en boîte brute. Et sur le mur, il y a une cheminée électrique. Donc, il ne chauffe rien du tout. Hein, ça fait de la lumière. Mais qu'est-ce que c'est beau! Avec mon fils, tous les matins, à peine réveillé, on prend le petit-déj, hop, on allume ça. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Là, autant vous dire que ça fait quoi, 3-4 jours qu'on est là et je suis là. Ah, ça ferait beau à la maison, ça. Ça, ça serait vraiment beau. Hein. Donc voilà, bon, pour l'instant, le mari ne semble pas euh, totalement hermétique, mais euh, pas, du, pas emballé plus que ça non plus par idée. On verra. Sinon, euh, sur Amsterdam, qu'est-ce qu'on a, ben a fait on fait, on n'a pas visité tant que ça. Hein. On avait dit euh, qu'on allait y aller euh, mollo pour une fois. Et puis là, le temps, euh, le temps est franchement pas fameux. Il y a un vent pas possible, euh, pas mal de pluie. Hein, on s'est pris quelques averses. Là, les garçons sont partis à la piscine. Euh, je suis beaucoup moins téméraire et courageuse. Il pleut, il y a du vent, mais de fou. Moi je reste au chaud, je dis ah ben allez-y, je vais... je vais en profiter pour filmer. Et euh, donc voilà, donc j'ai une petite heure devant moi pour vous montrer un petit peu. Sinon euh, pour les visites, on est allé voir euh, l'expo Pokémon au musée Van Gogh et les garçons, euh, donc les garçons c'est mon mari et mon fils, hein, ils sont hyper déçus. En fait, on avait regardé un petit peu ce qu'il y allait avoir. Donc, sur le site, il montrait les 6-7 tableaux et on s'était dit Oh, ça va être fou Je me demande ce qu'il y aura d'autre, etc. Eh et bien, il n'y a rien d'autre. En fait, si vous aviez vu les photos euh, du site, eh bien, vous avez tout vu. Donc, il y avait quand même toute l'expo Van Gogh, etc. Donc, c'est très beau à voir. C'est... Euh, mais voilà, c'était vraiment... On avait vendu ça à notre fils en disant « Tu verras, ils ont refait des, des tableaux grand de grands maîtres, mais version Pokémon. » Bon. Après, lui, il était content. Hein, euh, il adore dessiner, etc. Donc euh, forcément, il a, il a apprécié quand même. Mais on s'attendait à autre chose. Et pour couronner le tout, euh, quand vous faites euh, cette expo, en fait, il y a une petite enquête... Et en cadeau, à l'époque, on vous offrait une carte, donc les cartes, je ne sais plus comment ils appellent ça, alors cartes qu'ils collectionnent tous. Donc ça, ils ont dû l'arrêter parce qu'il y avait eu des coûts pas possibles. Et maintenant, c'est une carte postale. Donc euh, mon fils très content aussi. Euh, on va faire l'enquête et euh, donc plus de livrer en français, plus de livrer en anglais. Et il restait euh, les livrets en néerlandais. Aucun des trois ne parle néerlandais. Enfin, si mon fils euh, s'est compté jusqu'à 10, mais ça ou rien, euh, c'est du pareil au même. Donc, du coup, euh, comprendre ce qui était écrit, euh, trouver la réponse en français pour la retraduire en néerlandais. Ben, ça nous a pris pas mal de, de temps, cette affaire. Mais bon, il est content, on a trouvé la réponse, il a eu sa carte. Voilà. C'était euh, vraiment beau à voir, c'est un très beau musée, mais déçu, euh, ils nous vendaient ça, euh, Pokémon, et en fait c'était vraiment, c'était sur un mur. Un mur où on était tous en fil, pas possible pour voir ça, euh, ou s'il fallait prendre sa photo, tu savais qu'il y avait 40 personnes à l'arrière, enfin <laughs> euh, ouais, c'était pas ce à quoi on s'attendait, mais je n'ai pas fait que ça. Je suis également euh, allée chez Stéphane et Pénélope. Et là, et là, aucune déception, vraiment. Dès l'entrée du magasin, sur la façade, vous avez ce vélo qui est plein de couleurs, plein de laine. Le magasin n'est pas très grand, il est assez long mais assez étroit. Et là, mais une explosion de, de couleurs, de, de douceurs, des marques, plein de marques différentes. Il y avait donc bah, la laine de Stephen West, forcément. Il y avait, euh, qu'est-ce qu'il y avait La Walk. Il y avait la Life in the Long Grass. Il y avait la Bien-Aimée. La Bien-Aimée, pareil, hein, vous, vous reconnaissez les couleurs euh, parmi toutes les autres. Il enfin, y avait un choix, on avait envie de tout toucher, de, de, de tout prendre aussi. Sincèrement, j'aurais pu y passer la journée. Le, les vendeuses adorables, vraiment euh, souriantes. J'y suis allée avec mon fils, donc forcément, il touche un petit peu aussi. Il me dit "Regarde cette couleur, etc." Elles n'ont jamais rien dit. Elles sont, enfin, vraiment adorables. Alors, au dernier podcast, je vous avais dit « Ah euh, oh, bah j'ai rien acheté, hein, la drop ça compte pas, euh, Mélane, allez go, ch'ti bazar, on se fait plaisir !» Ouais, euh, bah j'ai pas, clairement pas attendu le ch'ti bazar, hein, j'ai trouvé euh, pas mal de choses, je vous montrerai. Et, et ouais, j'ai euh, ouais, 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 été faible. Donc euh, voilà un petit peu euh, mes aventures à Amsterdam euh, je vais commencer maintenant la version un petit peu plus traditionnelle. Alors, déjà, ce que je porte, alors vous l'aurez peut-être reconnu, hein, il a été vu, euh, revu, re-revu. C'est le Novice Sweater de Petit Knit. Donc, celui-là, il est d'une simplicité à porter euh, et à tricoter aussi. D'ailleurs, si vous êtes débutant, vraiment, là, vous êtes pris par la main, étape par étape, mais vraiment, hein, glisser, euh, glisser le marqueur autant de mailles. Très très simple, il va assez vite à monter parce que bah, c'est de, de la grosse laine. Moi je l'ai tricoté en R de chez Drops avec un fil mohair, je sais pas si vous verrez bien. C'était le coloris sauge et il est hyper chaud. Vraiment là de ce temps-là, c'est le pull doux de vous, on s'y sent bien, on a ce gros col donc euh, le col vous commencez euh, par des côtes, ensuite vous vous repliez. Donc c'est vrai que ça fait un effet un petit peu plus, un petit peu plus chaud. Et ensuite bah, ce jeu d'augmentation hein, qui fait ces dessins euh, que je trouve très jolis. Et ensuite le corps, toujours tout droit. Et les manches, pas bah, pareil. Hein. Enfin, une fois que vous avez repris vos manches, il n'y a pas de diminution, il n'y a rien du tout. Bon, moi les manches sont peut-être un petit peu trop larges. Je ne sais pas dire, je vais essayer de vous le montrer. Attendez, je ne suis pas à la maison, alors clairement, pour s'adapter. Moi, il est bien, bien long, ce que vous le verrez. Euh, donc la niveau aisance, bah, ça va, hein, je, suis, je suis à l'aise. Et il tombe bien, bien, bien bas. Bon, après, c'est vraiment le pull doudou. Ça, pour rester, euh, pour rester à la maison, même pour aller travailler cet hiver, enfin, c'est le pull tout terrain par excellence, où je sais que je vais avoir bien bien chaud. J'avais hésité à refaire, euh, je vous l'avais dit hein, dans la précédente vidéo, à le retricoter mais en jaune et en fait à bien y réfléchir, je vais le tricoter le modèle euh, 1988 de Marie-Christine Lévesque pour dire de bah de changer et puis de voir d'autres explications et puis un petit pull plus court parce que lui je l'aime beaucoup mais il est vraiment très très long et je ne suis pas très très grande donc euh, ouais, puis pour en avoir d'autres et essayer autre chose mais que ça reste Assez facile. Alors, sinon par quoi commencer ouais, J'en ai, en ai encore une fois mis partout du bazar. Euh, tout, tout, tout. Ben, je vais commencer par mes acquisitions. Alors, j'ai pris la semaine passée. Je vous avais dit aussi que je voulais tricoter. J'en rêve le gilet euh, farandole de Marie-Christine Lévesque, euh, que je trouve qui fait euh, voilà très season like euh, qui est vrai. Vraiment... Très très beau, mais j'hésitais sur la couleur et ça fait quand même pas mal de, de fois où je vous parle du bleu que j'aime beaucoup chez euh, Lenamouret, le street art. Donc bah, au final j'ai pas craqué chez Lenamouret, mais j'ai craqué chez Stephen pour ce magnifique bleu. Il est incroyable. Niveau colorimétrie, euh, pff, clairement je ne suis pas sûre que ce soit ma couleur, mais, mais je m'en moque. J'aime bien donc euh, c'est le tandem. Alors en fait chez la laine de chez euh, Stéphane, vous avez euh, Bicycle qui est en fingering et la tandem qui est en DK. Donc je trouve ça euh, très ingénieux. Vraiment, euh, on reconnaît plus facilement. C'est donc là, il y a 100 grammes pour 233 mètres. Hum, je crois que c'est ça. Je ne peux pas trop vous dire. Euh... Ouais, bah, J'espère hein, que je ne me suis pas trompée sur, euh, sur les mesures. C'est la couleur royale, ouais, la tandem royale. Elle est vraiment magnifique. J'en ai pris 4. J'espère vraiment que j'en aurai assez. J'espère euh, vraiment, vraiment. Euh, mais maintenant que je vois 100 grammes pour 233 mètres. Ouais, ça ira. Je ne sais plus combien il faut euh, pour le gilet. Je crois que c'était 900. Ouais. Bon, bref, on verra. Toujours est-il que j'ai la laine, j'ai le patron. Il ne manque plus que du temps. Donc j'ai pris ça, mais au lieu de me dire, bon, bah, ça va, tu t'es pris ça, tu t'es fait plaisir, tout ça, tout ça, eh bien, bien sûr que non, j'ai continué. Donc, ben, vous l'avez entreaperçu, j'ai pris ce, euh, cette laine fingering, donc qui est un peu euh, camel. J'espère que vous verrez bien la couleur. Voilà. Bon, il est moins rouge qu'on qu qu voit là, la lumière, mais euh, j'adore la couleur. J'adore, j'adore. Donc, en fait, ça, c'est des demi échevaux donc, quand vous avez des petits projets à faire, je trouve ça astucieux aussi. Mais euh, donc, bah, du coup, moi j'en ai pris deux, hein. deux. Deux demi égale un. Jusque-là, euh, je suis. Donc, j'ai pris ça. Et avec, j'ai pris. J'ai jamais tenté hein, cette laine. Donc, de chez Lives in the Long Grass. Regardez cette couleur. C'est le Mountain Path. Alors, est-ce qu'il va zoomer Il ne veut pas faire le focus. Ah, Voilà. Donc j'ai pris ce magnifique bleu, donc qui est nuancé mais pas trop non plus. Je voulais pas une couleur trop trop chamarrée. C'est vraiment des bleus foncés et des bleus un petit peu plus clairs. La couleur est juste incroyable. Oui, hein, je, suis dans, je suis dans le bleu en ce moment. Il faut savoir que le bleu c'est ma couleur euh, ma couleur préférée. J'adore tous les bleus et je voudrais faire un châle à deux écheveaux. Donc je sais pas encore lequel, mais vraiment avec cette alternance de couleurs, je trouve ça super sublime, non, je trouve ça sublime. C'est simple, hein? euh, Je n'ai pas révolutionné le monde des couleurs, clairement. Mais c'est vraiment le genre de, de châle que je sais que je vais porter. Je sais que je vais en profiter euh, hiver, automne. Enfin, euh, voilà. C'est mes couleurs. J'adore ça. Ça va être... Euh, je vais pouvoir les porter avec euh, la plupart de, de mes tenues. Et euh, j'avais vu... Sur quelle chaîne bah, Sur... Euh, mon... C'est Emma de la chaîne Tricolibri qui montre un magnifique châle. Elle, elle l'a fait dans un dégradé de beige de marron avec une petite touche de bleu marine. Et ce bleu marine qui relève tout, tout le châle. Donc elle dit qu'il est un peu compliqué. Donc clairement, je ne vais, vais pas me lancer là-dedans. Elle, elle le dit euh, qu'elle euh, qu doit euh, faire attention, se concentrer, etc. Euh, clairement, c'est pas encore pour moi. Mais voilà, je me suis dit, deux couleurs, un truc à dentelle, ça pourrait être pas mal. Et puis oui, j'aime beaucoup cette alternance de couleurs. Ensuite, je suis en train de faire une pièce montée sur le côté. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, c'est de chez Biloum. Je ne connaissais pas du tout. Hein. Et euh, donc, c'est de la laine fingering aussi, me semble. Alors, il y a combien là-dedans Donc, 100% Merino Wool. Il y a 500 mètres. Donc, clairement, je pense que j'ai de quoi euh, tricoter. Et c'est une laine, du coup, qui change de couleur. Donc, il y a une partie jaune, une partie rose. Une partie là, elle, elle semble. Ça semble rouge, là. Mais en fait, ça, c'est vraiment un joli rose. Et ensuite il y a un petit peu de violet et ça se termine par un vert. Enfin, C'est vraiment très 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 beau. J'adore. C'est dommage, la luminosité, elle n'est pas terrible. Donc on voit pas euh, on voit pas bien, mais bon, vous voyez qu'il y a cette alternance de couleurs. Là, clairement, je ne sais pas non plus. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Euh, je me dis qu'un châle qui change et qui fait plein de couleurs comme ça, ça doit être, euh, ça doit être sympa à tricoter. Si vous avez des idées de, de châles à me proposer, justement pour ces laines qui, qui changent et qui se dégradent, comme ça, je, je suis preneuse. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Donc, euh, je vous ai dit. Hein. Donc, Biloum. Apparemment, c'est Loli. Je ne sais pas si c'est la couleur ou... Non. C'est Loli et c'est la couleur Elena. Tac. Ouais, je, suis, je, suis en mode <laughs> je suis en mode... vacances c'est prêt. Euh, voilà. Hein, euh... Ça, ça sort comme ça passe, enfin, je suis un peu décousue, bon je suis certaine que vous arrivez à, à suivre quand même ensuite bon là c'est top j'ai plus de laine mais j'ai quand même encore craqué sur des petites choses alors en cadeau j'ai eu ce, ce petit pochon donc avec la marque Stephen et Pénélope donc ça, ben, j'ai trouvé ça super gentil euh, qu'il l'offre comme ça avec les achats et euh, si vous vouliez, vous pouvez l'acheter. Donc j'ai pensé à ma copine Mélanie parce que oui, euh, je suis super contente d'avoir été. J'adore ce que Stephen euh, fait, mais la vraie vraie fan, la vraie, voilà, le, celle qui vit, qui mange Stephen West, c'est pas moi, c'est Mélanie. Alors, je lui ai offert ce petit pochon qui, je suis sûre, euh, voilà je la connais, je suis certaine, elle sera contente elle, euh, pour mettre ses petites chaussettes, ses petits projets, pour les promener partout. Donc, voilà, Mélane, ta petite surprise. Et j'ai trouvé autre chose car euh, Mélane et sa fille collectionnent les broches, les pins, enfin euh, voilà, mettent des petites décos sur, euh, sur leur pull. Et celui-là, quand je l'ai vu, celui-là j'ai dit ça c'est Mélan. Alors, ferme bien les yeux. Pardon, si tu fermes les yeux, je suis bête, tu ne le verras pas. Je lui ai trouvé le, la petite broche Tim West Knit. Donc remplie de couleurs. Clairement, c'est. ça c'est Mélan, hein. sur, sur ses pulls hyper colorés. Je me suis dit que ça allait lui faire vraiment plaisir. J'ai hésité. Il y avait celui-là et il y en avait un avec plein de couleurs pareilles, un peu flashouille comme ça, marqué euh, euh, néon et ce new neutral. Et j'ai hésité un moment, j'ai hésité entre les deux. Et vu qu'elle tricote toujours du, du rose, du orange, du pop, etc. Mais là, je me dis, euh, Tim Westnick, ouais, non, c'est pas mal aussi. Elle qui a son cœur qui, qui fait boum, boum à chaque fois qu'elle l'entend, je me dis que c'était pas mal. Donc voilà ma petite, euh, ma petite Mélanie, j'espère que tu seras contente. Et pour moi je me suis pris euh, celui-ci, le West Are the Best Knit. Le tout avec un super accent anglais. <laughs> Parce que je dis qu'on ne parle pas très bien néerlandais, enfin qu'on ne parle pas du tout néerlandais, mais je ne parle pas euh, énormément anglais non plus. Hein, je... <laughs> Donc voilà, Donc, celui-là je le trouve très très beau. Pareil, hein, j'ai mis un temps, mais j'ai mis du temps. Il y, a, il y en avait avec des petits chiens, il y avait des petits mots. Oh, voilà, là, tout était beau, vraiment. Donc, je me suis arrêtée là. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Et oui, oui, c'est vrai, c'est pas mal. Et en fait, sur les laines, euh, cela, -là, là, cette gamme de Stéphane West. Je vais en mettre un peu partout, il y en a partout. Et euh, en fait, c'était écrit, euh, je ne sais plus si deux ou trois achetés, vous aviez un truc offert, et moi j'avais cru euh, comprendre que c'était une broche. Donc je me suis dit, oh bah nickel, je vais avoir un autre pins, nanana. Et en fait, non, c'était encore mieux, j'ai eu un livre. Vraiment, chez Stéphane et Pénélope, ils ne rigolent pas avec les cadeaux. Parce que je suis quand même revenue avec ce livre, qui est euh, quand même bien, bien dodu. Pour apprendre toutes les techniques de brioche. Je vais essayer de vous montrer que le, la version image. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tout des pages où on vous montre différents points brioche comme ça. Clairement, pour l'instant, je ne sais pas, euh, j'ai jamais fait de, de points brioche. J'ai bien compris que c'était pas un point facile. Donc, je me suis dit, va pas te compliquer trop la vie pour le moment. On apprend déjà les bases. j'essaye de vous montrer. Les... Parce que vous avez plein de points brioche avec des motifs comme ça, et vous avez également euh, carrément des des châles, et vous en avez plusieurs. Donc c'est vraiment incroyable. C'est beau, hein. Par contre, c'est vrai que je veux bien croire que c'est difficile à tricoter, mais qu'est-ce que c'est joli Je vous en montre un autre. Là, en tout simple. En bon, tout simple, c'est quand même du point brioche, mais il est à couleur, quoi. En couleur regardez comme c'est élégant, oh, celui-là il est sublime, vraiment j'adore. Je me vois trop avec le. J'ai déjà plein d'idées de tenue, mais je sais pas le faire. Après, vous l'avez un peu en... en gris comme ça, gris vert. De quoi voilà. Il est incroyable, sincèrement, c'est d'une beauté, c'est délicat, c'est vraiment beau. Donc j'étais super étonnée quand, quand cette dame m'a sorti le livre elle m'a dit ah voilà. Oh, je crois qu'elle l'a vu à ma tête. J'ai fait, oh. j'étais super contente. Je ne sais pas s'il est disponible à l'achat ce livre, mais euh, mais c'est rare. Enfin, je veux dire. On vous offre carrément un, ouais, un beau livre, quoi. J'étais trop contente. Je suis désolée, j'ai l'impression... Je ne sais pas si le... vous allez l'entendre, mais ça craque. Il y a du vent de partout. c'est n'est pas terrible. En bon, bref, ça ira quand même. Hein. Donc, voilà pour euh, mes petits achats chez Stephen Enfin, petits... <laughs> mes achats, hein. Je... Voilà. Euh, ensuite, euh, ce que j'ai terminé. Parce que j'ai terminé le... la petite chose que j'ai terminée. Vous l'avez peut-être vu hein, si vous me suivez sur Insta. Attendez parce qu'il y a tout qui s'est enroulé. Qu'est-ce que j'ai fait Voilà. Et ton oh. okay. <laughs> Je recommence avec mes musiques. Donc voilà, mes deux chaussettes, fais-moi peur pour mon petit bonhomme. Oh, je suis trop contente. J'ai réussi. Les deux sont identiques. C'est plutôt pas mal hein, parce qu'il a les deux mêmes pieds. Et la deuxième, donc je sais plus c'est laquelle des deux, j'ai réussi du premier coup. Donc vraiment je suis trop trop contente quand il l'a essayé, Je fais ouf, parce que ouais elles m'ont pris du temps, hein. pourtant elles sont elles ne sont pas si longues à faire hein. une fois que le jacquard était fait et que son pied est passé dedans, ça va, ça va très très vite. En plus c'est une taille enfant, c'est une petite taille, mais du 34, enfin c'est très très rapide. Mais, euh, mais ouais, je suis super contente. J'ai pu lui offrir pour euh, pour Halloween. Et, euh, et pareil, il était euh, fou de joie. Il me dit Ah, t'as réussi Parce que voilà, il avait vu. Euh, j'avais essayé le deuxième jacquard, mais il n'avait pas vu que euh, j'avais fini de la tricoter. En général, je tricote quand, quand il dort le soir. Donc, euh, donc voilà. Donc mon petit bonhomme était très très content. Et il me demande déjà, ce sera. Euh, les prochaines, elles seront comment Donc là. Là, clairement, déjà j'ai fait trop de chaussettes euh, d'un coup, et puis euh, puis je voudrais refaire une petite paire pour moi. J'avais fait les roses que j'ai dû terminer, ensuite les fait moi peur, et, et là j'aimerais essayer un modèle en, en déco pour dire de changer un petit peu et ouais, pour essayer autre chose, pourquoi pas, et peut-être un petit peu plus avec des cotes, tout ça, tout ça, pour un peu euh, challenger. Mais bon, ça c'est dans la tête. Après, ce que je vais faire, euh, si ça tombe, je vais faire une chaussette à la vanille, tout droite, euh, pas de couleur. On verra. Donc, je suis en train de faire ça. Ensuite, il faut savoir que j'avais tout préparé. Donc, le patron, euh, comme je vous disais, en euh, 1988, donc mon petit pull en grosse, grosse laine avec des grosses aiguilles Ou euh, très rapidement, ça devient du... Une fois que vous avez agrandi, ça devient un peu zéro cerveau le pull parfait des vacances. Donc j'ai tout bien mis dans le petit sac euh, la veille de partir, tout ça, tout ça, puis le jour de partir, bien sûr, <laughs> le petit sac avec tout, bah, je ne l'ai pas pris. Donc ouais, la, la bécasse, quoi, <laughs> je l'ai oublié, Alors, il doit être euh, soit sur mon bureau, soit euh, complètement à l'entrée de la maison, je, dans le couloir, enfin je sais pas. Donc j'étais un peu déçue et j'avais pris vraiment euh, une, deux petites babioles du coup parce que je me suis dit Sarah, tu pars pas non plus six mois en vacances, pas besoin de prendre un pull, six chaussettes, tout ça, tout ça, si déjà t'avances sur un truc, ça sera pas mal. Donc heureusement, j'avais mon petit. J'avais commencé euh, sur la route le petit foulard Ninon. De, donc ça, c'est de chez. Je crois que c'est. Ninon. Hein. Ouais, ça doit être ça. De chez Lena Amouret, donc c'est clairement, c'est un cousin de la, de la Sophie Scarf, hein. vraiment, c'est pareil, c'est une recette, où vous faites des augmentations, etc. Et par contre, le point, donc c'est du noir, hein. donc clairement à montrer, et puis là, il... je l'ai fait sur le trajet, on ne voit absolument rien. Donc vous voyez, ça roulotte, ça fait, bon, j'imagine qu'avec un bon blocage, ça ira mieux, j'espère du moins. Et vous avez, vous voyez, ça fait tous des petits... des petits trous comme ça, ça fait un petit effet dentelle. C'est vraiment joli. Vous avez une petite pointe. Donc celle-là elle est faite, mais pareil, il hein, faudra la bloquer. Et une fois sur le coup, attendez, je vais vous montrer. Bon pour l'instant il n'y a pas assez. Mais vous voyez, ça doit faire un truc comme ça. Il y aura un... Si j'ai bien compris, il y aura un système de... Comment ça s'appelle De... Pas de pression, mais... Une petite boutonnière. Et où, où ça passera dedans, et puis ça fera un petit truc comme ça qui tombe. Bon, oh, je trouve ça mignon, après j'ai pas pris beaucoup de risques. J'avais une perle de laine de chez euh, Laine noire. Noir. Bon, je me dis noir, euh, pareil, hein, ça passe partout. Bon clairement c'est pas la couleur la plus originale de l'année. Là encore, je n'ai rien révolutionné du tout. Mais, euh, mais voilà, mais je trouve super joli quand même. Et puis ça c'est un bon basique à avoir quand même dans la garde-robe, même en dessous d'un petit pull vu qu'il n'est pas trop gros, ça peut se glisser ou là avec un petit col comme ça. Donc voilà, j'ai l'impression que je reparle vite, non Et mon dernier petit en cours, donc je n'étais pas censée le commencer maintenant, mais allez savoir pourquoi ce petit pochon-là était dans mon sac, donc bah, je l'ai commencé. Donc j'ai commencé ce bonnet. C'est le bonnet euh, velvet de la Féfil. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai fait les cotes. Je déteste les cotes. C'est long. Donc j'ai fait des cotes 1-1. Et là, je commence ce fameux point. Donc, pour l'instant, il n'y a qu'une euh, qu ligne. Hein. Je ne l'avais jamais tricoté. Il est beau. Donc, c'est le point. Donc, euh, dans ces vidéos, la fée l'appelle Velvet. Mais apparemment, il est également connu sur le, sous le nom le, la maille ou le Point-Cœur. Bon, je ne sais pas trop. Mais oui, ça fait en effet. Hein. Est-ce qu'on va réussir à le voir Vous voyez, ça fait un espèce de, de cœur comme ça. C'est super joli je le tricote dans un fil de Sokuna troka Je me rappelle plus la couleur. Je n'ai pas, euh, pas pris l'étiquette avec. Euh, que j'avais pris au Knitit. Donc si vous voulez voir, euh, c'est dans ma vidéo euh, Knitit où je vous montre un petit peu tout ce que j'ai acheté. La laine est... Incroyable, j'adore les couleurs. Vous voyez, il y a du beige, il y a du gris, il y a du, des endroits où c'est un peu comme là, un peu gris anthracite, un peu marron. Vraiment, j'adore avec le teint, les cheveux, etc. Je pense que c'est une couleur qui va passer. Pour les hommes aussi, je trouve vraiment que cette euh, voilà, vous faites un gros, un châle, un tour de cou pour un homme, je trouve que c'est très très beau. Là, j'ai pas fait d'échantillon. J'ai fait la mauvaise élève et je me suis dit, enfin vu que ce projet-là, il n'était pas, euh, pas, prévu. Euh, je vous dis, il est tombé comme ça dans mon sac euh, et savoir pourquoi. Euh, du coup, je me suis dit, je vais pas faire d'échantillon. De toute façon, ici, je vais pas pouvoir euh, le laver, le sécher, le bloquer bien avec les les, les pics là. Donc euh, bon, je me suis dit, allez, euh, vas-y, lance-toi. J'ai bien mesuré la tête. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mon Oslo Hat que j'avais fait pour mon fils est trois fois trop grand pour mon fils et deux fois trop grand pour moi. Alors, je... On s'est promené à Amsterdam avec le vent, la pluie, le machin. Il me tombe comme ça, il dégouline. C'est affreux, franchement c'est moche. Donc euh, au début de journée, ça allait. Puis ensuite, je pense que ça s'étend, ça se détend un petit peu. Puis ouais, la pluie n'a rien arrangé. Donc ouais, non, c'est moche. Je suis bonne pour le tricoter, à hein, moins que je trouve vraiment quelqu'un avec une grosse tête. Mais là, pour mon mari, c'est trop petit. Enfin, c'est trop petit, non. <laughs> c'est trop grand aussi. Enfin, il va, j'ai l'impression que ce bonnet ne va à personne. Et là, à l'inverse, j'espère de tout mon cœur que c'est le câble qui fait ça, parce que j'ai l'impression que je tricote un bonnet bébé, quoi. Enfin... Après, je me dis, bon, bah, ça doit se, se détendre, cette affaire, mais... Alors, attendez, que je vous montre. Ouais. J'ai du mal aujourd'hui à vous montrer. Hein. Donc oui, on verra. Donc là, j'ai fait euh, bah, les centimètres de côte. Je vais essayer de replier pour vous montrer un peu ce que ça va donner. Mais oui, pour l'instant, c'est pas très grand dans hein, cette affaire. Bon, on verra. Si celui-là ne va pas, euh, qu'il est trop petit, clairement, j'arrête les bonnets. On hein. C'est que c'est pas fait pour moi. Donc voilà. Mais regardez ce point. C'est joli, hein. Par contre, je sais pas, parce que j'adore le point, j'adore la laine, mais euh, donc je vais le continuer hein, parce que j'aime bien l'effet et puis c'est sympa à prendre un nouveau, une nouvelle maille comme ça. Mais je sais pas s'il n'aurait pas été mis plus en valeur par une laine qui était moins, euh, moins, comment on dit, moins chamarrée. Je crois que c'est comme ça qu'elle dit. Et parce que bon, là, ça reste discret, mais bon, ça va donner de la texture. C'est déjà ça. C'est vraiment beau. Lui, j'ai hâte de le voir, là, mon. Mon bonnet bébé. <laughs> Au pire, bon bah, voilà, j'ai une filleule qui va avoir euh, un an. Mon fils. Ouais, mon fils, ça commence déjà à faire. Bon, on verra une fois sorti euh, sortie, euh, ce que ça donne. Parce que j'ai pas pris non plus. Ah ouais, non, c'est pas les bonnes. Oui, je réfléchis en même temps. Je, je me dis, est-ce que j'ai pas un autre câble pour tout de suite essayer plutôt que tricoter un bonnet que jamais personne ne pourra mettre Bon, je verrai. Toujours est-il que j'apprends une nouvelle maille. Donc, je suis contente. Euh, pour l'instant, ça consomme pas grand-chose. Je j'ai pas pris la balance et tout et tout avec. Hein, mais j'ai pas l'impression que ça, ça descend tant que ça. Ça, j'en ai encore deux autres écheveaux. Parce que je veux faire mon énorme Sophie Shawl avec Mélane. Et j'attendais de recevoir le suri. Et là, j'ai reçu un message de l'énamouré comme quoi ça a été envoyé. Donc, j'attends, j'attends avec impatience. Donc, bah, c'est tout pour mes encours. Bah ouais, vu que j'ai oublié le pull à la maison, euh, enfin le pull, les de quoi faire le pull. Donc en même temps, pff, ça servait à rien que je prenne plein plein de choses. On n'a pas, on a quand même passé pas mal de temps en famille. On a fait des puzzles, on a fait des jeux de société. Voilà, c'est vrai qu'on s'est posé, on a pris notre temps et ça fait du bien. Mais vraiment, ai de se poser, je me sens beaucoup plus reposée qu'avant de, Avant les congés. Ah, aussi, euh, deux infos. <laughs> J'ai enfin pris des photos pour Instagram. Donc, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais les mettre. <laughs> je ne sais même pas si je vais les mettre. Mais quelle aventure ces photos Je j'aime pas. Clairement, prendre des photos, me faire prendre en photo, j'ai horreur de ça. J'ai toujours l'impression que tout le monde. Euh, en plus, bah, souvent c'est en extérieur. J'ai toujours l'impression que tout le monde me regarde alors que c'est pas vrai. Hein, je le sais. Hein, tout le monde s'en fiche de ce que je fais. Mais euh, j'ai l'impression de faire ma diva en euh, plein milieu de nulle part. Donc déjà, je suis vraiment mal à l'aise. Et, euh, et là, je m'étais dit, cette fois-ci, je m'étais dit, allez, regarde un petit peu sur les autres comptes, comment elles font les filles, tout ça, tout ça. Et mon mari me dit, bon, bah, allez allez, t'as tes pulls, vas-y, euh, c'est ici, si c'est joli. Allez, hop, tu poses. J'enris et... <laughs> d'avance. Je, je m'étais dit, j'aimais bien ces filles qui regardaient un petit peu comme ça au loin. Vous savez, le regard un peu, un peu mystérieux, un peu... Ouais, voilà, un peu, euh, je, je réfléchis. Donc, je m'étais dit, je vais faire pareil. Et là, au bout de cinq minutes, mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu fais bah, Je dis, je pose, je fais la mystérieuse. Et là, il me montre le résultat des photos. Et c'était vraiment... Euh, Insta vs réalité, <laughs> ça faisait pas mystérieuse du tout. On aurait j'avais une tête d'ahurie, donc euh, comme ça sur la moitié des photos avec les yeux qui partent, enfin, c'était n'importe quoi, c'était ridicule. Bon, il a quand même été super patient, donc il me Oui, j'ai pas fini, il montre le résultat de, des photos. Forcément, j'attrape un fou rire, On un fou rire. Donc là, euh, la tête fourrure qui est non plus pas euh, fameux en photo. Enfin bref, ça nous a pris un moment. Il a mitraillé, mais vraiment pour chaque pull, je ne sais pas combien de photos il a fait, mais il a envoyé pour histoire d'en choper une ou deux euh, qui soient <laughs> moins bizarres que les autres. Donc voilà, je vais essayer de vous les poster, euh, pas tout d'un coup. Hein, je les réserve précieusement parce que j'en ai pas beaucoup et parce que je sais que j'aime pas ça. Donc, euh, donc voilà, je vais les, les envoyais au compte-gouttes. Mais vraiment, pensez-y, hein, parce qu'on voit des fois que je regarde comme ça et j'essaye un truc, vous penserez à ce que je vous ai dit. Donc ça, c'était euh, la première info euh, Insta. Et ensuite, qu'est-ce que je devais vous dire Oui, euh, le samedi, donc pour le Shitty Bazar moi, j'y vais le samedi matin avec, euh, avec Mélane, donc euh, des aiguilles aventurières. Moi, je ne suis pas sûre que je dois encore euh, vous la présenter. Et euh, donc elle, elle reste un moment, hein. mais moi je peux pas, je serai là de, je, je crois que ça commence à 10h, et à vers midi je dois partir. Donc si vous me voyez courir, euh, machin ou que je vous parle et que je regarde l'heure, je m'en excuse, c'est vraiment pas que je suis euh, mal polie ou quoi que ce soit, mais samedi midi en fait les un an de ma de ma petite filleule, j'ai l'immense chance d'être euh, marraine trois fois. Et donc, une qui est vraiment grande, qui est elle-même maman, euh, qui, qui a 26 ans, et puis la petite choupinette là qui va avoir un an. Donc, clairement, ça se loupe pas, hein, et ça, voilà, ça se produit qu'une fois dans la vie, puis c'est vraiment là, le bébé qui passe vers l'enfant. Donc, voilà, donc ça c'est samedi midi, donc le temps bah, de refaire la route, etc. Euh, et puis si clairement la marraine arrive avec deux heures de retard, ça fait quand même. Pas sérieux. Donc, vraiment, je viens deux heures le samedi. Peut-être le dimanche, peut-être j'arriverai à retraîner mon fils et mon mari, qui sait. Après tout, ils ont aimé Stéphane et Pénélope. Donc, ouais, avec un peu de chance, j'arriverai à les amener à nouveau. Et puis voilà. Donc, surtout, si on se croise, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, etc. J'essaierai d'être moins bizarre qu'Oknitite avec mon sourire figé. Et puis bah c'est tout. C'est tout pour les, pour les petites infos et puis pour les petits projets du moment. Euh, bah là, je vais attendre que mes petits pirates rentrent de la piscine. En attendant, je vais tricoter un petit peu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas. Ah non, non, non Avant de faire mon blabla, restez, revenez, revenez J'ai oublié de vous dire, euh, du coup, ça m... dimanche prochain, je ne pense vraiment pas filmer de, de vidéo. je pense vraiment que j'aurai pas le temps. Euh, bah justement, je travaille, euh, je reprends de travail lundi, je travaille toute la semaine, et puis, euh, puis l'anniversaire le samedi. Donc, bah, clairement, pour poster le dimanche, c'est juste pas possible. Je pense même pas que j'aurai le temps de tricoter beaucoup. Donc, voilà, je ne, je ne pense vraiment pas qu'il y aura de, de vidéos dimanche. Au pire, je vous le dirai sur Insta, mais vraiment, je pense pas. Et puis, je pense changer aussi les, les jours de publication. Euh, donc, peut-être le vendredi. Mais là encore, c'est pas sûr. Bon, je vous donne plein d'informations, mais rien n'est sûr. Hein, c'est pas les. <laughs> si vous ne voulez rien savoir, n'hésitez pas à me poser des questions. Hein. Et euh, donc, non, je pense de plus en plus à poster le vendredi. Parce que je me dis que le dimanche, il y a plein, 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 plein de vidéos en même temps. Donc, ça permettrait peut-être euh, voilà, de, de pouvoir un petit peu regarder au goutte à goutte. Moi, je sais que le dimanche. J'ai toutes celles que je regarde qui publient en même temps et du coup bah, je regarde, enfin après c'est pareil hein, mais je regarde sur plusieurs jours mais, mais voilà. Donc euh, cette fois-ci c'est la bonne. Euh, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite plein de belles créations, plein de beaux tricots et moi je vous dis à bientôt. Bye